Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 3 de la semaine de Saint-Valentin. Donc, aujourd'hui, 11 février, jour de publication de cette vidéo, c'est mon birthday. Donc, happy birthday to me. Voilà. Donc, j'ai 41 ans aujourd'hui. Et oui, je me fais vieille. Et pour ce jour spécial de cette semaine spéciale, obligé que je vous parle de mes deux petites chéries. Voilà, Manon et Amy. Voilà, aujourd'hui, ça sera une palette, trois looks, mais avec trois looks de trois personnes différentes, comme le début de la semaine, sauf que là, on est à trois. Et on a quelques palettes en commun, mais celles qu'on a déjà fait une vidéo sur le sujet, il me semble toutes les trois. Je ne suis plus très sûre, mais je vous mets le swatch de make-up ici. C'est la Glam Light de la Ice Cream de Glam Light. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Après, c'est sûr que c'est des teintes un peu plus printemps-été. Mais aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur les marronniers orangés. Voilà, j'ai envie. Donc, je me rapproche, j'enfile mes petites oreilles et c'est parti. Donc, bien sûr, en barre d'infos, vous avez les vidéos de mes deux petites chéries. Donc, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos, vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker leurs vidéos, laisser des gentils commentaires et tout ça, comme d'hab quoi. Voilà, je ne vous parle pas trop d'elles puisque je vous en parle dans quasi toutes mes vidéos, donc je vous commence à les connaître. Hein. Mais ce sont mes deux amies et je les aime beaucoup et voilà. Les filles, je vous love. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire, mais on va faire. Donc, je pense que j'ai envie d'un cut crease. Donc, je prends un pinceau biseauté. Et on va attaquer avec le marron le plus foncé, le chocolate. Voilà. Que je vais donc appliquer dans mon creux pour faire déjà mon trait de base du cut crease. Mais ma base, elle m'emmerde aujourd'hui. Elle n'a pas envie de coopérer, là. Donc, c'est parti. Il fait presque bordeaux sur la paupière. Je crois que je n'ai jamais utilisé celui-là, sauf pour foncer mon coin interne, externe. Le chien est tous. La couleur est très, très, très jolie. Voyez. Voilà, madame, tic, tic, tic. Ah, j'ai fermé la porte, donc elle va faire un petit cochon derrière la porte. Alors, j'ai dit que je vais faire un code crease, mais j'ai pas remonté ma base. Ça, c'est bien. Bien, ouais. Ensuite, je prends un petit pinceau crayon. Donc là, c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais déjà commencer à blender doucement au-dessus et l'extérieur. Également ici le coin interne. Elle fait vraiment très bordeaux, hein, cette teinte. C'est trop bizarre. Donc je garde le même pinceau et je vais prendre la teinte juste en dessous, la Butter Pécan. C'est celle que j'avais utilisée à Halloween. Pour continuer le dégradé de la teinte chocolat qui fait plus bordeaux que chocolat. Hein. Mais c'est très joli, hein, mais c'est pas chocolat. Mon petit alien dans le ventre essaye de communiquer. Voilà, j'ai eu un commentaire sous la vidéo du swap de Jolie Nymph. Merci Nymph. Qui disait que j'avais mon estomac était possédé par un petit alien vert et qui essayait de communiquer. C'était à cause de ça les petits bruits chelous. Ça m'a trop fait rire. Donc à partir de maintenant, on dira que j'ai un alien dans l'estomac. Après, vous êtes habitué, mais non, il fait tout le temps des bruits chelous. Là, donc je vais prendre un pinceau boule un peu plus fluffy et je vais prendre la teinte du coup Pumpkin. Ah non, c'était ça que j'avais utilisé. Je sais plus. Enfin bref. Vous voyez absolument rien de ce que je vous montre. Et on continue de dégrader.
Ok, et on va finir avec un coup d'estompeur propre. Je prends celui de chez Essence. Donc du coup, je prends ma base Pélouise, puisque j'ai oublié l'autre en bas, donc je vais utiliser celle-là. J'en prends un petit peu sur le dos de ma main, pas trop. Et je vais redéfinir mon creux ici au-dessus. Alors ensuite, je prends un pinceau plat assez précis, donc je prends celui-ci. Et je vais prendre la teinte... prendre la teinte pécan praline qui est juste ici, qui est très granuleuse, et je pose ça sur la moitié de ma paupière mobile en extérieur, et ici j'essaye de garder la forme d'un cut crease défini, on va dire. Je raconte n'importe quoi. Avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre la teinte Salted Caramel, ici, pour continuer ma paupière, donc en partie interne. Ouh, je ne vois pas des masses. Bon, je vais essayer avec la Cookie Dough, parce que l'autre, elle ne se prélève pas bien. Celle-ci est encore une fois plus granuleuse. Waouh, la vache, ouais. Oh, les chutes. La vache, les choutasses. Ok. On va pas exagérer, on va laisser comme ça. Alors, je vais faire mon ras de cils. Donc, je reprends mon premier pinceau et la couleur la plus foncée ici. Je reprends le pinceau biseauté et la teinte chocolate pour bien marquer le ras de cils. Et avec ce pinceau-là, je reprends le même ici, pumpkin, pour continuer le dégradé. Et en coin interne, je vais mettre la teinte French Vanilla, qui est la blanche ici, micro pailleté. Toute lumineuse, toute jolie. Ensuite, je prends le fard liquide comme ça de chez Beauty Bay, qui est en teinte Precious Topaz, et je vais juste suivre ma forme du cut crease. Voilà, tout simplement. Donc, je prélève directement sur l'embout. Ah, il y a un cheveu avec le pinceau liner. Et j'ai commencé par le liner classique. Je sais pas si on va bien le voir en fait. Dans le semi-cut crease aussi. Enfin, dans le creux, quoi. Oh, je dis n'importe quoi. Ensuite, mascara, rouge à lèvres, et je viens vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà ce qui conclut ce look avec la Glam Light. Donc j'ai hâte de voir ce que mes copines elles auront fait. Voilà, voilà. Donc sur les cils, j'ai mis le Size Up en format mini et le Wet n Wild sur les cils du bas, comme d'habitude. Et sur mes lèvres, j'ai mis le Undress des petits révolutions. Il me semble que c'est pro, hein. Je suis plus très sûre, je ne retiens pas. Mais c'est le Undress, voilà, que j'aime beaucoup. Donc n'oubliez surtout pas d'aller voir les vidéos de mes deux copines qui sont en barre d'infos. Voilà, d'aller vous abonner, liker, commenter, et tout ça, comme d'habitude. Les filles, merci d'avoir été mes deux Valentines.
de ce jour de mon anniversaire. Voilà, merci, merci, merci. Et on se retrouve, déjà, laissez un pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu, si ce make-up vous plaît et tout ça, tout ça. On se retrouve demain, de toute façon, pour continuer. Il en reste deux. Voilà, et je crois que c'est deux très gros coups de cœur, très récents. Enfin, je crois pas, j'en suis sûre. Il reste deux vidéos de la semaine de la Saint-Valentin. Et ensuite, vous aurez le weekly vlog dimanche. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette vidéo par le plus grand des hasards. C'est gratuit, ça vous coûte absolument rien. Aïe! Moi, ça me fait super plaisir et ça m'encourage vraiment beaucoup. Donc, on est content. En plus, si vous activez la petite cloche, vous aurez les notifications des prochaines vidéos pour ne pas les rater. Et donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous.